Bienvenue à cette dernière table ronde en direct du club Pernod Ricard qui, vous le savez, a accueilli pendant toute la durée du Congrès mondial de la nature des entreprises, des experts, des acteurs de la biodiversité autour de la protection du vivant. Ce soir, nous allons parler de la place de la biodiversité dans les territoires, aussi bien en ville, je me tourne vers mes invités qui vont vous parler de la ville, qu'à la campagne. Un sujet clé quand on sait que le changement d'usage des sols lié à l'urbanisation et à l'agriculture est de loin la première cause de l'érosion de la biodiversité. Côté ville, la France, comme d'autres pays, subit de plein fouet les effets ravageurs de l'étalement urbain, responsable de l'artificialisation des sols. Les espaces naturels, agricoles et forestiers diminuent à vue d'œil, et ainsi tous les 7 ans, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît. Côté campagne, le tableau n'est guère mieux. Depuis l'après-guerre, le modèle de l'agriculture intensive a complètement transformé paysage et terroir au profit de grandes parcelles agricoles, laissant peu de place aux vivants et à la diversité des habitats naturels. À la ville comme à la campagne, ces transformations ont de lourdes conséquences sur les sols, la biodiversité, le climat, bref, sur la vie en général. Ainsi, tandis que les insectes et les oiseaux disparaissent de nos campagnes, les urbains désertent quant à eux le béton des villes. Alors, sommes-nous capables de réinventer des modèles agricoles et d'urbanisme qui ne détruisent plus la biodiversité, mais qui au contraire participent à sa régénération? Nous avons 45 minutes pour en discuter avec mes invités. Nous avons la chance d'avoir sur ce panel Morgane Hivernio. Bonsoir. Bonjour. Morgane, vous êtes responsable agriculture durable du groupe Pernod Ricard. Et Virginie Bartholin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes responsable achat, produits et filière durable de Pernod Ricard France. Vous nous direz ce qui se cache derrière ce titre de filière durable. Luc, vous êtes le président du Conseil international biodiversité et immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Et Élodie Grimoin, vous êtes directrice générale de Urban Canopée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons démarrer notre table ronde à la campagne. Donc, je me tourne de ce côté-ci, non pas avec des agriculteurs, mais avec des acteurs de l'agroalimentaire. Et donc, avec vous, Morgane, donc, je disais que vous êtes responsable agriculture durable du groupe et vous utilisez de nombreuses matières agricoles pour la fabrication de vos produits. Alors, j'ai une question extrêmement simple pour commencer. Pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le groupe Pernod Ricard s'est engagé dans cette démarche d'agriculture durable? Alors c'est très simple, en fait, si l'agriculture durable n'existait pas, ou en tout cas si la nature, la biodiversité n'était pas aussi riche et présente, le groupe n'existerait pas. Effectivement, c'est simple. Du voilà, coup. le groupe est ancré dans cette stratégie de préservation des terroirs depuis 2 ans maintenant, puisque l'ensemble de nos produits proviennent des terroirs et de la nature. Quand vous dites ancré, on sent qu'il y a un historique particulier dans ce groupe de lien à la nature. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. C'était un petit peu le sentiment de Paul Ricard quand il a créé l'Institut océanographique, d'ailleurs pas très loin d'ici. C'était vraiment de préserver les écosystèmes, alors les écosystèmes marins pour le coup. Mais ça s'est infusé dans l'ensemble des actions après portées par le groupe, que ce soit dans la convivialité qu'on porte entre nous, mais aussi dans les actions qu'on mène pour produire nos vins et spiritueux, en ayant ce souci du respect de la nature quand on travaille au quotidien. L'Institut océanographique et Patricia Ricard, donc, qui était là hier soir. Si on voulait en savoir plus sur ce que fait l'IOPR et Patricia sur cette question du respect des océans, vous pouvez vous connecter sur l'émission d'hier soir, vous en saurez tout. Morgane, on va continuer avec vous. En quoi cette lutte contre l'érosion de la biodiversité est un impératif réel pour vos activités? Vous avez dit rapidement tout à l'heure que sans la biodiversité, il n'y aurait plus vos produits. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce lien ténu qui existe entre biodiversité, terroir, produits Pernod Ricard France? Puisque quand on déguste un de vos vins ou spiritueux, c'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, c'est une réalité. C'est vrai, on ne peut pas imaginer la richesse qui se cache derrière la gamme de produits de Pernod Ricard. En fait, on a fait un petit travail d'inventaire il y a quelques mois qui nous a permis d'identifier 350 terroirs différents à travers le monde. Parce que quand vous parlez de richesse, vous parlez de richesse naturelle. On parle de richesse, on parle d'écosystème. On parle on essaye d'illustrer l'écosystème comme un puzzle, en fait, où chacune de ces pièces étaient imbriquées avec la suivante. Et la biodiversité en fait partie, elle est au cœur. Et la biodiversité, on la considère comme la biodiversité sauvage, naturelle, mais aussi cultivée.
Et l'objectif de cette vision, c'est de travailler sur l'approche terroir. Et l'approche terroir, c'est justement la combinaison de toutes ces pièces du puzzle, que ça soit la biodiversité, les paysages au sens large, la biodiversité cultivée, mais aussi le climat, la ressource en eau, la ressource en sol, et évidemment, au milieu de tout ça, les communautés d'acteurs qui y travaillent. Donc derrière chaque produit que vous vendez, il y a tous ces terroirs et toute cette complexité que vous devez gérer. Derrière un produit Pernod Ricard, il y a plusieurs terroirs qui œuvrent et qui produisent la richesse organoleptique sensorielle de nos produits. Et donc une communauté aussi d'acteurs très engagés pour pouvoir engager dans l'amélioration continue, dans la transition agroécologique et dans la durabilité au sens large. Très bien. Alors, on sent bien la démarche et on sent bien la passion que vous avez à décrire cette démarche-là. Mais concrètement, comment vous contribuez à la régénération des écosystèmes agricoles et à cette agriculture régénérative? Je crois qu'on dit régénérative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ces mots? Ah, c'est vrai que ça peut paraître très abstrait quand on achète une bouteille de la démarche. En plus, c'est pas facile à dire au micro. Régénératrice. La spécificité de cette approche, c'est qu'elle est holistique, ça veut dire ou systémique, c'est-à-dire qu'on prend en considération toutes les briques de ce système que j'ai cité tout à l'heure. Alors, quand on met en place un programme d'agriculture régénératrice chez Pernod Ricard, on considère à la fois la notion de climat, la notion de biodiversité et la notion de communauté. La notion de climat, on s'intéresse à la fois à adapter nos terroirs aux effets du changement climatique pour faire en sorte que ce terroir soit résilient au fur et à mesure des années et qu'on puisse toujours s'approvisionner au fur et à mesure des années, mais aussi essayer de réduire notre contribution au changement climatique, notre empreinte climatique, en essayant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et on travaille également sur l'évaluation des puits de carbone au sein des filières agricoles. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la partie climatique dans l'agriculture régénératrice. Ensuite, on a la notion de biodiversité. Donc l'ensemble des composants d'un écosystème constituent des chaînes trophiques, de cycles naturels. Des chaînes trophiques. Ce sont les chaînes des cycles naturels, les cycles de tous les éléments qui constituent l'écosystème. Et en fait, quand une des chaînes est perturbée, l'ensemble du système est mis à mal. Donc en fait, toutes ces chaînes, l'attention portée par ces programmes, c'est de les maintenir en équilibre. Le cycle de l'eau, le cycle des nutriments, le cycle de la biodiversité, de la vie du sol, etc. Et la dernière brique de cette agriculture régénératrice, c'est le savoir-faire, c'est la transmission de savoir, c'est la connaissance. C'est aussi comment on peut, à travers ces programmes, pérenniser la vie, le bien-être des communautés localement, donc l'accès à ce savoir, l'accès à l'éducation, à la santé, et puis l'autonomie aussi alimentaire et la sécurité alimentaire. Donc toutes ces briques, ces trois briques, sont les briques essentielles qui constituent notre vision et notre stratégie d'agriculture régénératrice. Très bien, merci, c'est extrêmement clair. Rentrons un petit peu dans le détail du terrain et de la relation aussi avec l'ensemble de la filière. Avec vous, Virginie, donc vous êtes en charge des produits et filières durables chez Pernod Ricard France. Expliquez-nous comment ces grands principes que Morgane vient de nous expliquer, comment ils sont appliqués concrètement avec vos produits. Alors moi, je vais vous donner trois exemples très concrets de filières françaises. J'adore les exemples. Donc on a un premier engagement sur une filière historique qui est la culture du fenouil, qu'on a relancé dans les années 2000 en France, dans différents bassins d'exploitation. Et donc on limite notre impact sur la biodiversité d'année en année en améliorant les pratiques agricoles. Cette année, on est passé sur une certification agriculture durable, donc pour garantir effectivement ce qu'on dit, on le fait vraiment. Et en plus, on expérimente aussi l'agriculture biologique sur fenouil. Et l'idée, c'est de prendre ces bonnes pratiques d'agriculture biologique et de les appliquer à notre modèle agricole durable. Donc ça, c'est un exemple sur le fenouil. J'ai un autre exemple où on l'a... Pour notre culture générale, le fenouil, il est cultivé où? Alors, le fenouil, en fait, c'est... On cultive le fenouil amer qui donne ce goût anisé à certains produits très connus. Et on le cultive notamment en Haute-Provence. Donc, on a pas mal de parcelles là-bas avec des agriculteurs qu'on accompagne au quotidien. On en a en Normandie également, puisqu'en fait, l'idée, c'est de lisser le risque climatique en cultivant dans différents bassins de production au cas où, un jour, effectivement, la sécheresse empêche le fenouil de pousser dans le sud, par exemple. Voilà.
Et donc, vous aviez d'autres exemples ? Alors, j'ai un deuxième exemple où là, on est engagé autour de la betterave sucrière pour la filière alcool et sucre, donc, qui sont deux gros ingrédients dans pas mal de nos produits finis. Et en fait, on travaille en partenariat avec tous les acteurs, aussi bien de terrain, donc l'amont agricole, que l'aval, hein, les metteurs en marché, les acheteurs. Et on lance un gros projet d'agriculture régénératrice. Donc, on veut casser le modèle de monoculture, typiquement sur la betterave sucrière, offrir une meilleure rémunération aux agriculteurs qui sont en train d'abandonner cette culture et surtout réduire l'impact sur la biodiversité. Donc sur la betterave, par exemple, l'impact principal, c'est l'utilisation de fertilisants. Donc en cultivant différemment, en essayant de ne pas détruire la structure du sol, on va potentiellement, on espère en tout cas, améliorer cette fertilisation et réduire tous les produits pesticides ou fertilisants qu'on pourrait utiliser dans le futur. Donc ça, c'est un exemple de culture. Mais j'en ai un troisième, si vous voulez. Allons-y pour le troisième. Alors, on ne parle pas d'agriculture. Là, je voulais donner vraiment un exemple de cueillette, puisqu'on est aussi assez engagé auprès d'une association de cueillette de gentiane sauvage dans le massif auvergnat. Et en fait, on accompagne la structuration de la filière. Et donc, sur la partie biodiversité, parce que là, on parle de biodiversité ce soir, j'ai deux exemples très concrets de bonnes pratiques qu'on met en place avec aussi bien les propriétaires de terrains que les arracheurs. C'est par exemple proscrire certaines pratiques d'arrachage qui peuvent détruire l'intégralité de la biodiversité, comme la mini-pelle. Donc là, on fait vraiment de l'arrachage manuel très très précis et s'empêcher d'arracher l'intégralité d'une parcelle. Donc on veille à laisser par exemple 60% de la gentiane, on arrache 60%, on en laisse 40% pour que cette gentiane se régénère spontanément, parce qu'elle met quand même 25 ans à pousser. Donc, si on veut avoir de la gentiane dans 25 ans, il faut qu'on fasse attention, effectivement, à nos pratiques. Alors, on comprend bien l'intérêt pour vous, mais comment faites-vous pour mettre cela en place lorsque ce n'est pas vous qui cultivez ? Lorsqu'on arrive un peu à l'aval de la chaîne, vous parlez de filière, lorsqu'on transforme et que l'on vend, comment on fait pour s'assurer que ces grands principes que vous édictez dès le début, et avec des agriculteurs qui sont pas forcément, qui font pas partie du groupe, comment vous faites pour faire respecter ces principes ? Alors, on a au sein de la cellule achat un agronome. Déjà, c'est une ressource interne qui est formée et qui se forme régulièrement aux différentes pratiques agricoles, donc en agriculture biologique et là, plus récemment, en agriculture régénératrice. On s'appuie évidemment avec des experts externes. Donc, par exemple, sur la betterave sucrière, on travaille avec Pour une agriculture du vivant, sur toute la partie agriculture régénératrice. Sur la gentiane, on travaille avec une association qui structure la filière. Donc, vraiment, on s'entoure de partenaires experts dans leur domaine. Et puis, surtout, on donne une vision à nos agriculteurs sur la durée. Donc, on travaille avec des contrats à long terme, sur plusieurs années, qu'on renouvelle. Et après, évidemment, on certifie, donc on travaille aussi avec des tiers indépendants pour garantir tout ce qu'on dit concrètement. Et comment c'est organisé ? Parce qu'on sent bien effectivement qu'il y a plein d'acteurs de différents statuts qui interviennent à différents moments. Est-ce qu'il y a une association qui fédère tout ça ? Est-ce que c'est un projet, c'est le projet d'entreprise qui permet de les réunir ? Comment vous vous assurez comme ça de la réunion de l'ensemble des acteurs autour de ces pratiques ? Alors en fait, tout dépend du projet. Sur la filière betterave, évidemment, c'est un projet qui est porté par France Agrimaire. Il y a Pour une agriculture du vivant qui fédère tous les acteurs de terrain, aussi bien l'agriculteur, le technicien agricole que Pernod Ricard, par exemple. Après, sur la gentiane, on est aussi en mode associatif. Donc on va aller motiver la commune locale pour qu'elle adhère aux bonnes pratiques, qu'elle signe la charte, etc. Donc en fait, filière par filière, on peut avoir une approche qui est différente. Je pense que ces projets de filière et comment on rassemble les gens, ce seront des questions qui vont aussi beaucoup vous intéresser tout à l'heure. Mais j'ai une dernière question d'abord, Virginie, pour vous. En préparant cette émission, on a parlé des pollinisateurs sauvages qui sont en déclin et qui sont essentiels à l'agriculture. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler, expliquer à tout le monde ce que sont ces pollinisateurs sauvages ? J'avais réussi à le dire bien la première fois, mais pas la deuxième. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement pour les préserver ? Oui. Alors, c'est bien que vous posiez la question parce qu'en fait, on parle toujours, là j'ai parlé de limiter notre impact qui peut être négatif sur la biodiversité, mais effectivement sur la filière fenouil notamment, on veut prouver qu'on a un impact plutôt positif sur la biodiversité. Donc depuis 2 ans déjà, on finance une thèse, une doctorante qui est en train d'évaluer les interactions positives entre la culture de fenouil sur le plateau de Valensole et la communauté de pollinisateurs. Donc est-ce que la culture du fenouil, à terme,
peut permettre à ces pollinisateurs de vivre mieux, de vivre plus longtemps, de polliniser mieux, pour les abeilles domestiques, de produire plus de miel, etc. Et est-ce qu'il y a un retour pour nous ? C'est-à-dire, est-ce qu'on produit plus de fenouil ? Est-ce qu'il est plus riche en principes actifs, etc. ? Donc, on est en train vraiment d'investir sur ce sujet pour, justement, pour pouvoir après répliquer le modèle et peut-être venir à cultiver du fenouil ailleurs comme ressource pour ces pollinisateurs. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'éclairer un petit peu ce qui se cache effectivement derrière des produits finis qu'on a l'impression de connaître et qui en fait effectivement ont une relation très ténue avec la biodiversité. Il est temps maintenant de partir à la ville avec nos deux autres intervenants. Alors, ville et nature n'ont pas toujours fait bon ménage, je crois qu'on peut le dire. Et pourtant, on observe depuis une dizaine d'années un vrai renforcement de la nature en ville. Et puis, nature dans notre quotidien. Et d'ailleurs, on le voit avec les prix de l'immobilier. Il suffit d'avoir un morceau de terrasse ou de balcon pour que les prix explosent en ville. Donc, on sent effectivement que c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, donc, les collectivités, les acteurs de l'aménagement rivalisent d'idées pour lui faire de plus en plus de place, ce sigle de Conseil international biodiversité et immobilier. Donc, en pratique, c'est une association qui est née en 2013. Aujourd'hui, c'est 85 membres. Notre terrain de jeu, c'est la ville, mais plus précisément, c'est le quartier, c'est le bâti. C'est la construction et l'aménagement de quartiers. Les gens qui s'intéressent à nous, ce sont les entreprises, les collectivités territoriales principalement. Et qu'est-ce que nous y faisons ? Nous mettons ensemble finalement ces acteurs de la vie, les constructeurs d'un côté, ceux qui y vivent, les investisseurs, et puis surtout cette filière nouvelle des acteurs du vivant en ville, qui finalement viennent côtoyer ceux qui sont leurs donneurs d'ordre. On va y trouver bien sûr historiquement les entreprises du paysage, les écologues urbains. C'est un nouveau métier. On contribue en fait au niveau de l'association au développement de cette filière. Est-ce que vous pouvez m'en dire tout de suite un peu plus sur ce que c'est qu'un écologue urbain ? Alors un écologue, c'est le sachant en fait concrètement. C'est celui qui connaît le sujet de la biodiversité. Et si j'associe les deux mots, écologue et urbain, c'est que finalement, la nature en ville, bien sûr, on peut retrouver les mêmes espèces que dans le monde rural, mais il y a une certaine spécificité de l'adéquation des espèces, où les espèces se sont adaptées finalement à la ville. Et il faut tenir compte finalement de la proximité de l'habitant, du citadin, pour adapter finalement une présence de nature qui soit cohérente, qui n'introduisent pas trop de nuisances. Il faut se souvenir que la biodiversité a été exclue des villes au Moyen-Âge, en fait, pour des questions sanitaires. Aujourd'hui, on est dans un mouvement inverse, où on veut la réintroduire. Mais par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et c'est un ensemble, finalement, de problématiques qui sont des casse-têtes pour, finalement, les collectivités territoriales, comme les propriétaires fonciers, etc. Alors, je voulais rajouter que derrière, finalement, le fait de mettre ensemble, on est là aussi pour apporter des solutions, et des solutions qui sont à deux niveaux, à la fois des outils pour permettre d'évaluer, finalement, sur un projet de quartier, un projet de bâtiment, eh bien, répondre aux critères d'une évaluation extra-financière pour les investisseurs, où on va avoir l'arrivée de la taxonomie européenne sur la finance verte. Nos outils, nos solutions, finalement, permettent finalement, d'attester que finalement un investissement, un projet de modification, un projet de réorganisation de la ville répond à ces critères. Et donc vous développez une espèce de label de biodiversité qui est là pour sanctionner un bon respect de l'ensemble des composantes du vivant. Oui. Alors justement, qui dit label renvoie finalement à la notion de norme, de réglementation. Alors aujourd'hui, il y avait déjà une certaine série de réglementations. Il y a eu la loi sur l'eau, il y a la loi sur les espèces protégées, il y a plus récemment le zéro artificialisation net, les contraintes en fait sur la végétalisation des toitures, des surfaces commerciales par exemple. Le problème, c'est que la nature, la biodiversité, c'est un écosystème vivant et ça rentre pas dans des DTU concrètement. Si je fais une image, alors c'est une caricature, excusez-moi. Donc il faut construire des démarches adaptées et qui vont largement s'appuyer sur l'expertise de sachants, dont justement celle de l'écologue urbain. Donc notre association est là pour promouvoir des démarches. Je préfère parler de démarches basées sur des référentiels que de normes. Aujourd'hui, nous avons finalement plusieurs produits. On a démarré par finalement comme
toutes les initiatives de construction durable par le sujet de la construction, de la restructuration, avec un référentiel qui s'appelle Biodiversité Construction. Aujourd'hui, nous avons près de 300 opérations qui sont engagées, 115 qui sont déjà labellisées. Et puis, on décline sur finalement la question de qui est très importante, des bâtiments existants qui représentent finalement l'essentiel du sujet. Et vous savez que à partir du moment où on introduit finalement ces démarches-là, eh bien, au-delà de la prise en compte de la dimension nature sur du bâti, eh bien, on va bien sûr travailler le potentiel pour la biodiversité, mais on va aussi travailler la relation entre le citadin, l'occupant de ce lieu et la nature. C'est là, en fait, qu'on introduit du sens. Il y a à la fois la notion de, finalement, d'acculturation, d'un côté, mais aussi, finalement, et ce qui fait un peu le succès de notre association, c'est les aménités, parce que la présence de nature, eh bien, elle impacte notre comportement humain. C'est, finalement, réduction du stress, capacité de mémorisation, etc. Et de là, on peut décliner, en fait, les entreprises, c'est un enjeu de performance. Pour les propriétaires de logements, c'est un enjeu d'attractivité. Pour les hôpitaux, c'est une question de durée de convalescence, etc. Donc, le sujet, il est là. Et quand on fait le lien avec la mobilisation citoyenne, ben, il faut aussi commencer un peu par là. On est dans un monde où nos villes ont été largement minéralisées. On a perdu, finalement, la connaissance de ce qui nous entoure. On ne sait plus appeler, finalement, les arbres. On ne sait plus appeler les espèces, la faune et la flore. Et les enfants, c'est encore pire, voire leurs enseignants. Le fait de... Enfin, ils peuvent prendre leur téléphone pour avoir un Shazam de la nature. Et du coup, c'est le téléphone qui leur dit... Mais c'est beaucoup trop simple. Il faut les rapprocher de cette nature. Alors, il faut commencer justement à avoir toute une organisation qui permet finalement d'avoir des événements et sortir finalement les gens de leur habitat pour aller au contact de cette nature et leur apprendre. Alors après, vous avez les démarches qui sont simples et qui sont un peu... finalement récurrente, comme le fait de mettre des ruches, ça fait partie des solutions intéressantes, mais il ne faut pas trop le faire parce qu'après ça a un impact négatif. Mais rien que le fait de mettre ensemble autour d'un apiculteur des salariés, des habitants d'un même logement, d'un même immeuble, ben, ça crée du lien et c'est à cette occasion qu'ils peuvent finalement apprendre des choses et se reconnecter à la nature, tout simplement. C'est très intéressant parce qu'en vous entendant, on a l'impression que vous rappelez l'importance du sachant, l'importance de se structurer en filière, de réunir l'ensemble des acteurs. Finalement, quand on vous écoute et qu'on voit que vous financez des thèses, donc l'importance de la connaissance, que vous avez des agronomes, que vous aussi vous structurez l'ensemble de la filière, finalement, entre ville et campagne, autour de la biodiversité, c'est un peu les mêmes enjeux. En fait, c'est ce qui une des clés aussi qu'on aime bien expliquer, c'est la mosaïque, c'est la complémentarité des briques et donc la mosaïque du paysage, du terroir, elle inclut aussi les villes, forcément. D'accord. Et les corridors biologiques entre les différents espaces sont très importants. Très bien, très bien. Vous étiez en train de parler, Luc Monteil, de fausses bonnes idées, ou en tout cas d'initiatives. Par exemple, prenez celle des ruches, où on a l'impression que c'est forcément gagnant. Est-ce que en matière de réintroduction de la nature dans la ville, il y a comme ça nombre de fausses bonnes idées? Alors je vais en citer une autre à titre d'exemple. Il faut toujours prendre des réserves par rapport à cela, parce qu'il y a des contexte où cette fausse bonne idée peut être une bonne idée. Par exemple, le fait de dire on va mettre des moutons pour finalement tondre les pelouses. C'est très compliqué à organiser, ça sent mauvais, ça fait du bruit. Si les espaces finalement verts autour du bâti ne sont pas suffisants, ce n'est pas une bonne idée, concrètement. Donc c'est un petit peu dans ce sens. Le fait de favoriser finalement le développement des chats, ce n'est pas bon pour la présence des oiseaux également. Le fait de favoriser le déploiement de poulaillers dans les quartiers résidentiels, c'est ponctuellement, si c'est bien géré, mais il faut des gens qui soient un peu formés à ça, ça peut être une bonne idée, mais sinon c'est des nuisances en fait infernales pour les voisins. C'est cela en fait qui peut être à un moment donné, je dirais, une fausse bonne idée. Et là après, vous avez sur le fond ce qui n'est pas la bonne approche, c'est de dire on va faire de la biodiversité en menant quelques actions, mettre un potager, s'arrêter à ça, mettre des ruches, s'arrêter à ça. Non, il faut une démarche cohérente. Si on parle des entreprises, et j'imagine qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont connectées, il faut commencer par une stratégie d'entreprise. Il faut un axe biodiversité dans la stratégie RSE.
Et ensuite, on décline finalement cette stratégie jusqu'au site. Et là, vous allez finalement vous appuyer sur les solutions de l'association CIBI avec les labels Biodiversity concrètement. Très bien. Donc, on a bien compris avec l'image du puzzle utilisée tout à l'heure par Morgane que dès qu'on touchait une brique de la biodiversité, il y en avait plusieurs qui suivaient et qu'effectivement, c'était des sujets complexes et qu'une action isolée avait peu de chances de réussir si elle n'est pas rattachée à une stratégie globale. Dans le titre de votre association, on sent ce lien entre immobilier et biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous dire, Luc Monteil, comment les acteurs de la ville, et spécifiquement ceux de l'immobilier, ils intègrent aujourd'hui la biodiversité dans l'aménagement des nouveaux quartiers? Déjà, est-ce qu'ils le font? Et quand ils le font, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on peut dire qu'on est sur un cheminement continu. La réintroduction de la biodiversité en ville, elle a commencé d'abord sous l'initiative des collectivités territoriales, des villes qui finalement ont commencé à revoir la conception de leur avenue. Au niveau, je dirais, des entreprises et des propriétaires de bâtisses, qu'on a surtout vu, c'est une approche, je dirais, qui était de l'espace vert, qui était esthétique et qui était avec des plantes catalogues. J'ai une expérience de ce type-là, il faut dire. Et quand on parle d'approche esthétique, eh bien, on ne raisonne pas l'espace vert comme un habitat qui permet de développer la biodiversité ordinaire. Aujourd'hui, c'est finalement l'ensemble finalement, de la société civile qui prend un mouvement et on peut en être fier avec une vraie prise de conscience et on commence finalement à voir arriver, je dirais, d'initiatives un peu cohérentes qui commencent, comme je l'ai expliqué, par finalement des stratégies RSE. Alors ça a commencé pas forcément par les entreprises sur leur immobilier, mais ça a commencé par les entreprises comme Pernod Ricard et toutes les entreprises du cosmétique également, qui sont en fait très impactées finalement par la disponibilité finalement du vivant pour finalement comme matière première. L'immobilier a été un petit peu en fait laissé en retrait. Par contre, ce qu'on a vu derrière, ce sont les promoteurs, les foncières particulièrement, qui ont pris cette initiative et qui ont un petit peu tiré. Aujourd'hui, on voit un déploiement finalement des initiatives. On peut parler d'actes for nature portés par EPE, maintenant par le ministère de l'écologie et du développement durable, qui sont de vraies initiatives qui permettent finalement un engagement et de structurer finalement les engagements pour la prise en compte de la biodiversité, en particulier sur l'immobilier, de manière cohérente. Donc, on peut en être finalement, c'est de très très bon augure en fait concrètement pour ce qui est devant nous. Donc les futurs quartiers qui vont sortir de l'imagination des concepteurs et des promoteurs immobiliers seront des nouveaux quartiers qui intégreront beaucoup plus de nature et de manière moins cosmétique, comme vous le disiez, et plus durable et avec plus de sens. Aujourd'hui, les promoteurs, les aménageurs qui ne prennent pas cette... Alors, côté aménagement, il y a quand même quelques garde-fous réglementaires. Mais au niveau finalement de la promotion, c'est plus libre. Et naturellement, c'est un mouvement qui va prendre du temps. Il ne faut pas forcément pousser trop les choses d'un point de vue réglementaire. Vous avez quelques finalement, acteurs leaders parmi les grandes foncières, les grands promoteurs qui poussent. Vous avez fait intervenir Bouygues Immobilier, par exemple, qui a parlé dans son expérience. Mais on peut citer même les foncières comme Gessina qui ont été des précurseurs, je dirais, sur ce type d'initiative. Aujourd'hui, ce qui a poussé finalement ces acteurs-là, c'est le fait d'avoir une approche différenciante. C'est bien sûr, il y a un petit peu la dimension marketing, mais on rentre finalement maintenant dans une période où ne pas le faire finalement va être une faute et va se traduire par un manque d'attractivité ou de valeur du bien. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que la biodiversité dans un projet d'aménagement immobilier, c'est un peu de verre sur une jolie plaquette et que ça s'arrête là. Mais vous, au sein de votre association, vous mettez en place justement une prise de conscience réelle pour qu'au-delà de la carte postale, ce soit le vivant qui soit vraiment réintroduit dans la ville. Une bonne façon d'attester. Alors, il y a eu beaucoup de critiques et ça a commencé par la construction durable sur les certifications. On peut s'en passer. Le constat est que s'il n'y avait pas eu les certifications, le monde de la construction, le monde de l'exploitation des bâtiments n'aurait pas en fait évolué au niveau de performance où il est. Et le chemin en fait est encore long. Concernant la biodiversité, c'est la même chose. Il faut des démarches, il faut des référentiels et il faut un label, une certification qui atteste que vous avez mené la démarche. Sinon, vous n'avancez pas. Et là, je fais le lien avec ce que je disais en introduction. Nos référentiels sont en fait de vrais outils qui permettent d'évaluer finalement la performance d'un projet, l'approche responsable finalement d'un projet d'investissement, que ce soit à l'échelle d'un quartier, que ce soit à l'échelle d'un bâti.
Très bien, merci beaucoup Luc Monteil pour ces paroles pleines d'espoir. On a envie de vous croire, on a surtout envie de voir justement ces nouveaux quartiers. Restons en ville pour une solution concrète développée par une start-up membre de la French Tech et notamment d'une Green Tech 20. On en a parlé lors de l'émission avec la French Tech de vendredi dernier. Vous voyez que je vous fais plein de pubs pour les anciennes émissions. N'hésitez pas à aller les voir. Et donc, on est très content de vous accueillir. Élodie Grimoin, vous êtes la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Urban Canopé. Et alors, vous, ce que vous dites sur votre site et lorsque vous présentez votre société, c'est que vous souhaitez rafraîchir la ville par le végétal. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formidable punchline ? Alors, tout à fait. Notre but, c'est vraiment une raison d'être chez nous, rafraîchir par le végétal. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le végétal, c'est la meilleure climatisation urbaine. Et malheureusement, dans les espaces denses et minéralisés, on ne peut pas planter d'un partout, on ne peut pas avoir de pleine terre partout. On a des réseaux souterrains, des problématiques de charge. Et donc, on est un peu coincé. Donc nous, ce qu'on propose, c'est justement une solution pour développer le végétal en ville avec des structures légères et modulaires. Donc, si j'en dis un peu plus d'où ça vient... Dites-moi un peu plus. Alors, j'en dis un peu plus. Qu'est-ce que c'est qu'une structure légère et modulaire ? Alors, en fait, notre projet, il est issu des laboratoires de l'école des Ponts et Chaussées, qui travaillent sur les structures légères et modulaires depuis plus de 10 ans, donc pas mal de R&D derrière, où en fait, initialement, ils ont conçu des structures légères sans végétal. Par exemple, une cathédrale éphémère à Créteil, un chapiteau au Solidays. Donc, on appelle ça des grid shells. Ce sont des structures légères avec une double courbure. L'avantage, en fait, c'est que vous n'avez pas de poteau. La structure, elle tient, entre guillemets, toute seule, quoi. Et donc, à la suite de la canicule de 2016, un des chercheurs des labos se dit « Mais pourquoi ne pas se servir de ces structures pour greffer du verre dans la ville et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbains ?» Donc, Urban Canopy est né comme ça. L'association du côté École des Ponts, le côté structure, et le côté agro que j'ai pu apporter vu que je suis ingénieure agro de formation. Voilà. Donc, on a commencé en se disant « Comment proposer des modules dans la ville ?» Parce qu'en faisant une cathédrale végétalisée, si on en a parfois besoin, c'est pas si facile que ça. Et donc, en tant que jeune société, on peut pas commencer par du sur-mesure. Il faut avoir un modèle, il faut que ce soit scalable. Donc, on s'est dit, on va commencer par des petits modules qui soient reproductibles. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que scalable, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on soit capable de le dupliquer. Voilà, c'est ça. Pour aussi que ce soit le moins cher possible. Donc, vraiment d'avoir une chaîne de production, quoi. Donc, on a commencé par le modèle Corol, qui est de type mobile urbain végétalisé, qui est une solution pour 1 mètre carré seulement d'emprise au sol. Elle fait 5 mètres de haut, elle fait 50 mètres carrés de surface d'ombrage porté, de structure végétalisée. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à se représenter. Donc, avec 1 mètre au sol, il y a 50 mètres carrés. C'est ça. Qui d'ombrage. C'est ça, ça fait 8 mètres de diamètre, la partie supérieure. En fait, à la base, vous avez un pot avec une réserve d'eau, 200 litres, au-dessus une réserve de substrat, 300 litres. Et pour que ça s'arrose bien, on s'est dit, il fallait que ça s'arrose tout seul. Donc, il y a un système d'irrigation intelligent, piloté à distance, avec un algorithme qu'on a développé nous-mêmes. Donc, on a des capteurs dans la corolle. Et le tout est alimenté par batterie solaire. Voilà, ce qui fait que la structure, elle est ni raccordée au réseau d'eau, ni raccordée au réseau électrique d'un site. Et donc, on peut la poser partout ? On peut la poser partout, où justement, notre terrain de jeu, nous aussi, c'est la ville qui est dense, minérale, urbanisée, mais... On sait que la ville est dense, justement, et donc c'est pas en mettant des corolles partout qu'on pourra aussi vraiment agir à plus grande échelle. Et donc, justement, nous, notre ambition, c'est de faire en fait un catalogue avec plein de formes différentes, mais aussi et surtout s'attaquer aux toitures et façades. Donc, le projet Urban Canopy, c'est vraiment d'aller sur tout type de surface disponible au sol, mais surtout en hauteur. Et alors, qu'est-ce que vous faites en hauteur ? Alors, en hauteur, pour l'instant, on est en phase de R&D. Le but, c'est de proposer des modules donc avec des formes différentes, parce qu'en fait, tout le volet techno, c'est de justement concevoir n'importe quelle forme désirée avec la même technologie. Donc, on a 3 brevets là-dessus. Et donc, justement, le but, c'est de se dire, voilà, j'ai une toiture, j'ai telle pente, je peux me poser à tel et tel endroit. L'avantage, c'est que nous, on utilise exclusivement des plantes grimpantes. Et donc, on n'a pas besoin de mettre du substrat partout. Il suffit de se poser sur les descentes de charge du bâti, de mettre le maillage, lui donner la forme souhaitée, passer au-dessus d'équipements techniques, sur les façades, éviter les fenêtres, etc. En fait, on donne vraiment la forme que l'on souhaite. Et ensuite, de guider le végétal sur ce support, en fait.
Voilà, donc ça, c'est le but. Et puis, le rêve aussi, c'est de se dire, bon, on développe carrément un outil pour les archis directement, qui puissent se dire, bah voilà, moi, je veux me poser ici, j'ai tant de mètres carrés à couvrir, et qu'avec un modèle automatique, ça crée le maillage directement, et il n'y a plus qu'à commander directement en ligne, quoi. comment, à l'âge que vous avez, on se retrouve à se lancer dans cette aventure-là? Comment, en étant agronome à la base, on finit par travailler avec les ponts et chaussées sur des structures à mettre dans la ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, le projet, voilà, c'est pas moi qui l'ai fondé toute seule, hein, très clairement. Donc, c'est avec un groupe de chercheurs, et puis Hubert Michaudet, qui a fait, lui, sa vie dans tout ce qui est immobilier, property management. Et donc, moi, à l'agro, j'étais toujours passionnée par l'environnement, mais aussi son implication dans les villes. Donc, justement, c'est marrant parce que cette semaine, avec le congrès de l'UICN, j'avais travaillé justement en recherche à Melbourne, l'Université de Melbourne, sur les espèces en voie de disparition, donc la liste rouge de l'UICN, et plus précisément sur les espèces où malheureusement, on ne peut pas les sauver, alors qu'elles sont vraiment en danger. Parce qu'on n'a pas assez de données. On appelle ça les DD species, les Deficient Data Species. Et donc, je travaillais sur un programme de recherche en se disant quelle espèce en priorité aller chercher, où on sait qu'il y a un potentiel derrière pour s'en sortir. Voilà, donc ça m'a tout de suite passionnée. Et puis après, j'ai travaillé à Delft University, aux Pays-Bas, sur les green infrastructures. Et là, ça m'a vraiment montré une application aussi concrète où comment combiner la nature et le bâtiment. Et donc, où c'est toutes les solutions en fait qui permettent des services écosystémiques. Et donc, justement, nous, avec cette solution là, on se dit comment essayer justement d'avoir plus de solutions vertes dans la ville. Et puis après, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai rencontré Hubert Michaudet, qui est le président aujourd'hui, qui était un de mes profs à l'agro, tout simplement, sur la gestion et stratégie d'entreprise. Il me parle de ce projet avec les chercheurs et que ils ont l'idée, il y a tout qui est prêt, mais il faut monter l'entreprise en fait. Hein, et donc ils cherchaient la thématique agro. Donc j'ai rejoint l'aventure Urban Canopy comme ça. Et puis maintenant on a bien grandi, donc ça fait 4 ans. Vous êtes combien maintenant? On est 25 salariés. Donc on a l'entrepôt basé à Noisy-le-Grand où on assemble les structures, on les conçoit, on les assemble, on les installe et depuis début d'année on fait aussi l'entretien. Donc on a aussi un jardinier chez nous qui fait l'entretien des corolles. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, mes invités de gauche qui essayent de fabriquer des produits à base de fenouil, est-ce qu'on peut imaginer faire des fermes verticales et avoir au-dessus des barres la production et en dessous du bâtiment la consommation? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? Alors oui, ce serait tout à fait envisageable dans le sens où ce qui pousse sur nos maillages, donc ce sont des plantes grimpantes, donc en soi tout type de plantes grimpantes. Nous aujourd'hui, comme le but c'est de rafraîchir la ville, on met plutôt des plantes ornementales, mais on peut tout à fait imaginer des plantes fruitières, on peut imaginer du houblon, enfin il y a plein de choses différentes qui existent. Après nous voilà, on ne récolte pas, donc ce sera propre aux clients de le faire. Mais oui, il y a plein de choses qui sont possibles. Et est-ce que vous avez des demandes comme ça de fermes verticales? J'ai vu passer plusieurs articles comme ça sur une volonté de réintroduire pas simplement du vivant, mais aussi une exploitation agricole à l'intérieur des villes. Est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine de l'utopie, de la fausse bonne idée ou quelque chose qui peut arriver? Alors ça peut arriver, on a déjà développé un projet sur le toit d'un centre commercial où il y a une ferme urbaine justement, en faisant pousser du kiwi, mais bon, c'est plutôt au niveau expérimental à savoir est-ce que le kiwi pousse bien sur le maillage. Après, l'idée serait vraiment de se dire on crée une forme différente, parce que la corolle n'est pas forcément la forme la plus adéquate à tout type de production, et justement l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut vraiment faire n'importe quelle forme. Donc s'il y a un besoin, nous derrière, on a tout un bureau d'études chez nous aussi, donc c'est justement l'objet de se dire il y a un besoin, nous on peut y répondre, et comment on propose un nouveau modèle, quoi. Donc ouais, il y a plein de choses possibles. Très bien, et merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. On va arriver à la fin de ce débat, et avant de rendre l'antenne, on arrive à la fin aussi de ce congrès mondial de la biodiversité. Alors j'aurais une question un peu pour vous tous, vous qui êtes tous impliqués dans la biodiversité. C'était un peu un grand moment pour tout le monde, on a enfin vu à la télévision et dans les articles des journalistes qui parlaient
parler pas simplement de Messi, mais aussi de biodiversité, même si ce n'était pas assez, si j'ai bien pu comprendre ce que disait Morgane tout à l'heure hors antenne. Quel est finalement, qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette semaine-là? Est-ce que vous avez un message, une impression? Qu'est-ce que vous retirez de cette semaine de biodiversité et ce moment où Marseille est un peu devenue la capitale mondiale de la nature? Commencer avec vous, puisque vous aviez le micro. Moi, je commence rapidement. Pour moi, un mot, ce serait l'espoir. Et aussi, une chose à retenir, c'est chouette d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens ici. Il ne faut pas que des choses négatives, voilà, il faut des choses positives. Voilà, et donc, pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir. Une chose aussi importante que je tiens à signaler, c'est que cette année, le Congrès mondial de la nature ici à Marseille, c'est la première fois qu'il a été ouvert au public, parce que c'est encore présent, ouvert au public. Et je trouve ça génial parce que c'est très important pour aussi les jeunes. J'ai vu beaucoup de cars scolaires venir, des lycées, des petits, des plus grands, des familles avec des poussettes. Enfin, je trouve ça génial parce que c'est un problème pas que politique, c'est un problème sociétal, ça englobe tout le monde. Et donc voilà, c'est de l'espoir de voir que tout le monde se sente aussi impliqué. Merci beaucoup Élodie. Luc, un mot, que retirez-vous de ce Congrès mondial de la nature ? Je rajouterais simplement qu'on a pu noter, même si ça a été déjà relevé, qu'il y avait une certaine présence, une mobilisation du monde politique, à commencer en fait par notre ministre de l'écologie et du développement durable, notre président Macron, Christine Lagarde. Et même Harrison Ford. Exactement. Alors, peut-être un petit mot sur Christine Lagarde. Ça témoigne aussi d'une certaine mobilisation du secteur de la finance, en lien, bien sûr, avec la taxonomie européenne. Je pense que la taxonomie européenne qui arrive en fin d'année avec son volet biodiversité, ça va être une révolution. Vous n'êtes pas le premier invité sur ce plateau à nous expliquer qu'effectivement, cette mobilisation de la finance est peut-être le tournant qui permettra d'accélérer tous ces efforts pour le vivant. Merci beaucoup, Luc. Virginie. Alors moi, je dirais le mot « lien ». Parce qu'aujourd'hui, j'étais justement au congrès et j'ai rencontré pas mal d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité, notamment cosmétiques aussi, où effectivement, ils sont déjà bien engagés dans des programmes de préservation de la biodiversité. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques, plus ou moins les mêmes façons d'adresser les enjeux, mais on le fait chacun de notre côté. Et on s'est dit, finalement, sur un même territoire provençal au moins, peut-on travailler ensemble pour avoir un peu plus de poids et accompagner encore mieux les agriculteurs avec qui on travaille. Donc c'est un message d'espoir, mais c'est voilà, essayer de créer un peu plus du lien au niveau territoire. Très bien, merci beaucoup. Morgane, on finit avec vous. Alors moi, je dirais l'urgence parce que ça fait écho au rapport du GIEC qui est paru cet été et qui prouve encore une fois que l'état de la situation et le fait que maintenant, on ne peut plus ignorer, on ne peut plus fermer les yeux. Et ils publient régulièrement des listes d'espèces menacées. On a vu des conférences très, très intéressantes sur l'état des forêts, par exemple, certains des écosystèmes indispensables à la vie sur Terre. Et je pense que c'est urgent maintenant d'accélérer, de se mettre ensemble et d'avoir de l'impact surtout. Donc c'est effectivement important que ça soit inclus et ancré dans les stratégies des entreprises et que ça se diffuse dans l'ensemble de nos activités, nos opérations, que ça soit directement dans les opérations de tous les jours et après dans les messages qu'on porte au quotidien. Merci beaucoup Morgane. L'urgence, l'impact, la responsabilité des entreprises, de la finance, le fait de se rencontrer pour essayer de bouger, c'était finalement toute l'ambition de ces rencontres entreprises et biodiversité. On était extrêmement fiers de vous accueillir pendant le congrès tous les soirs ici au club Pernod pour pouvoir discuter, donner la parole à l'ensemble de ces acteurs qui aujourd'hui se mobilisent. Voilà, on va terminer sur ce mot d'espoir. On espère que vous aurez apprécié ces rencontres et on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup.